Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais tout simplement continuer ma petite série là que j'avais fait des tutos de cornemuse au practice. Donc comme tu vois ma petite librairie a légèrement augmenté depuis la dernière fois. Je pense que tu as pu voir au début il n'y avait que 5 morceaux vraiment. Là je vais t'apprendre le sixième. Donc tu vois que j'ai rajouté plus de partitions. Aujourd'hui on va voir celui-ci, Captain... Alors j'ai mis Collins, oulala j'ai fait une erreur de frappe, attends. On va corriger ça vite fait. Captain Collins. Captain Collins. On va juste enlever le L. Voilà. Ça, c'est un Straspey. C'est méga dur, les Straspey. Alors, je t'apprends ça. En fait, c'est vraiment dans la suite logique. Tu sais, le cinquième morceau que je t'avais appris, c'était une marche de concours, une marche de 4. Si tu veux, il en existe vraiment des milliers en écossais. Ça fait partie d'un répertoire qu'on appelle le MSR, donc Marche Straspey Reel. Donc la vidéo, enfin le cinquième morceau que je t'ai appris dans cette série, c'était une marche de 4, donc une marche de concours. Et là, je vais t'apprendre un Straspey, pareil, de concours. Donc tu vas vite t'en rendre compte, c'est un répertoire qui n'est pas facile techniquement à jouer. Et je crois bien que le Straspey, c'est vraiment le plus dur, hein, le plus hardcore à jouer. Pourquoi? Bah parce que tu verras, au niveau de l'exécution des doigts, il va falloir être assez bref, assez rapide, tu vois, pour changer de mouvement. Donc je te joue le morceau, comment ça fait. Donc là tu vois la partition. Donc t'as vu, à un moment donné, je me suis foiré, j'ai oublié des torlois. Ça, c'est un Straspey. Dis-toi bien que c'est le Straspey le plus mélodieux que j'ai trouvé dans mon répertoire, donc le plus joli. À savoir que des Straspey, généralement, c'est pas forcément hyper joli, mais c'est surtout super technique. Genre des trucs... non, c'est... Enfin bref, voilà les Straspey, tu verras avec plaisir, tu vas voir, c'est des mouvements au niveau des doigts qui sont très différents, des ornements très secs. Donc qu'est-ce qu'on a dans Straspey? Globalement, on a ce que j'appelle des speed triplets sur la flûte en as, mais c'est rien d'autre qu'un slur à la cornemuse, d'accord? Là, on a des grips classiques, grip double et demi inférieur, des cuts, hein, enfin des détachés simples, des torlois. Donc les torlois, n'hésite pas à regarder les vidéos tuto que j'avais fait sur les mouvements techniques si tu as du mal avec ce mouvement. Vraiment pratiquer celui-là parce que c'est la technique de ce morceau. Hein. Si tu le fais pas bien, ça peut vraiment être compliqué. Donc là, tu as encore un torlois. Là, tu as doublé, slur, doublé demi inférieur, torlois, tu vois. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, principalement doublé, demi-doublé. Voilà, là, ici, il y a une série de doublés sympas. C'est vraiment ma préférée. La troisième phrase, c'est la plus jolie. Voilà. Et là, pareil, des torlois. Voilà, c'est vraiment la technique torlois sur le dos. On va bosser ensemble ce mouvement avant. Donc applique-toi bien sur ton la grave. Ok, tu fais bien ton détaché de mi sur le la. Dès que c'est fini, hop, le détaché de fa en changeant de note. Alors évidemment, quand je le fais lentement, ça passe nickel, mais dans la pratique, t'as vu que je me suis foiré plusieurs fois. Ok, bon, la speed triplet, enfin le slur. Ok, c'est les techniques. Ensuite, tu as le double demi inférieur. Alors, soit tu le fais léger, soit tu le fais plus lourd.
à ta préférence, comme tu préfères, mais ici il est quand même noté en léger. Là pareil, t'as le même temps là sur le si grave, mais je pense qu'il est plus facile que sur le do quand même. Ok, voilà. Et ben c'est parti. Donc si tu veux voir la partition au propre, alors je sais pas si tu vois bien parce que tu dois voir ma tronche aussi sur le côté droit de l'écran. Si tu veux l'avoir complètement, bah, tu sais, c'est la librairie privée, je pense que tu as déjà ton accès. Sinon, tu peux l'avoir, il suffit de cliquer dans le lien dans la description. Voilà, je vais continuer ma série. Donc là, il y a plein de morceaux vraiment à apprendre, super sympa. Donc c'est parti, première phrase. Je le fais lentement, ok? Donc ça, faire deux fois. Évidemment, pour le Strasspey, même si tu connais pas trop le style, il faut bien insister. Tu vois ici, tu as des pointés et tu as des sautés comme ça. Bien exagéré, hein. C'est-à-dire que... Tu vois, tu as l'impression que ça fait ça. Bon, là, c'est un peu trop exagéré, mais je t'assure, quand tu écoutes un Strasspey pour la première fois, c'est un peu le truc que tu vas essayer de faire naturellement. Tu vas tout couper, exagérer comme ça. Bon, évidemment, c'est trop sec ça, il faut bien s'appliquer, mais c'est ça l'esprit, hein. Tu tiens bien les pointés ici et les croches, ok? Deuxième phrase, lentement. Alors ici tu vois, c'est assez intéressant, t'as un petit bug ici, hein. Donc ne fais pas attention ici, on t'a mis un détaché de là je crois, mais tu peux pas le faire parce que tu viens du si aigu, d'accord, hein. Quand tu es sur si aigu, évidemment il faut que ton premier doigt soit déjà placé pour faire le détaché, mais là tu peux pas le faire. Donc c'est juste un bug, ce que tu fais tout simplement comme s'il n'était pas là, hein, tout simplement. Attention ici à la remontée, c'est vraiment classique en cornemuse, hein. Moi j'adore faire ce mouvement puisque... Mais il est vraiment récurrent. Le petit détaché ici. Détaché de mi en montant, hein, sur le ré. C'est vraiment... C'est un grand classique, hein. Il peut poser problème souvent quand tu débutes à la cornemuse. Moi, c'est vrai qu'il m'embêtait pas mal, mais à force de pratiquer, j'adore le faire. Ensuite. Donc ici t'as un demi-doublé, hein. Je sais pas si tu vois bien. C'est-à-dire que tu vas faire ton si aigu, tu vas tout de suite faire ton battement avec le pouce. Ok, troisième ligne, la meilleure pour moi. Oula. Etc. Tu refais une deuxième fois. Et la dernière, faut pas la répéter deux fois, puisque t'as vu, ils ont fait deux lignes, donc il y a juste à suivre ce qui est écrit sur la partition. Oula. Alors, juste un petit conseil, tu vois, tous ces mouvements, alors c'est de double croche. Attends. Alors, double croche, croche. Ouais, ça s'appelle une double croche, croche, tu vois, solfège. Et ça, même si c'est rapide, tu vois. C'est vraiment ça normalement, mais attention à ce aspect, il faut quand même avoir toujours cet esprit de légèreté. Donc ne pas hésiter des fois à les faire, bon peut-être pas en triolet, mais tu vois... Ça sera beaucoup plus chantant, d'accord? Ok,
Voilà, du coup, ce tuto est terminé. Donc là, l'astuce que je te partage ici, quand je te dis que ce mouvement-là, le double croche-croche, la faire plus en triolet, c'est vraiment des astuces de concours. Moi, je m'en suis rendu compte, en tout cas, pour éviter que ça fasse trop saccadé, tu peux te permettre, parce que le strass-play, c'est assez tac, 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 d'accord, c'est assez saccadé. Et ben, de temps en temps, ça fait du bien d'aérer comme ça et d'exagérer un peu presque en triolet ces doubles croche-croche. Ok? Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc si tu veux avoir la partition, tu veux l'imprimer, l'avoir en propre, bah, il y a la librairie privée pour la cornemuse. Donc là, j'ai mis que des partitions, j'ai pas mis de tuto. Bah, déjà, tu as le tuto sur YouTube. Là, tu as juste à le remettre en arrière si tu veux redécortiquer. Parce que c'est vrai que quand tu regardes la partition, les notes ne vont pas te dire forcément, là, là, c'est un doublé, là, c'est un slur. Des fois, on peut confondre, d'accord? Donc là, avec le tuto, ça te permet de t'assurer que tu fais bien les bonnes choses au niveau des doigts. Puis la partition, ça te permet d'avoir le support régulier. Pour vraiment bah, voilà, taper du pied sur les temps comme il faut. D'ailleurs, c'est là que tu peux voir les détails, hein, voilà, les pointés et les croches. Ok. Voilà, donc je profite aussi de cette vidéo pour te rappeler qu'il reste un dernier jour pour profiter de mon offre en ce moment. Alors, c'est une offre sur la formation Cornemuse, 100% Cornemuse. Il n'y a pas du tout de practice dans cette formation. C'est vraiment mon expertise sur l'instrument. Donc voilà, il reste encore un jour. Si tu veux en profiter, je te mets le lien dans la description. Je t'ai déjà décrit cette formation en détail. Il y en a beaucoup de personnes qui ont commencé cette formation. Ça fait super plaisir. Donc, si toi tu souhaites voilà, connaître un peu plus l'instrument, en plus des tutos gratuits que je te mets sur YouTube, bah, évidemment, regarde les vidéos YouTube parce que je partage déjà beaucoup d'informations gratuitement. Et je prends vraiment le temps de te montrer par exemple, les réglages dans le cornemuse. Alors, toujours est-il que, bon, j'ai déjà des élèves qui ont commencé cette formation, mais un petit point d'avertissement, c'est une formation qui est très longue, qui dure 7 heures. Si tu veux, il y a un module 1 et un module 2, mais je conseille vraiment aux personnes qui commencent cette formation de bien commencer les vidéos dans l'ordre parce que le module 2, si tu veux, c'est le module réglage. Seulement, comment dire, si tu zappes le début, que mettons ta respiration n'est pas bonne et que tu gères mal avec la poche, que tu gères mal le démarrage, l'arrêt, tout ça, ça sert à rien de faire des réglages. Tu verras pas la différence si t'arrives pas à gérer ta poche, d'accord? Si tu t'entraînes pas d'abord avec les vidéos du module 1. Des exercices pour progresser au niveau du bras, enfin de la respiration, la tenue, respiration avec les abdos, tout ça. Même si tu fais des réglages d'anges différents, enfin, il faut d'abord que ta respiration soit globalement assez. Tu vois, il faut que la pression de ta poche soit assez stable, d'accord? Pour que tu sentes la différence sur les réglages. Allez, donc voilà, tout ça c'est dans la description, il reste encore un jour et moi je vais continuer ma petite série de tutos là sur les partitions. Il y a des super morceaux à voir, notamment une suite là, Beaches of Arise. Celle-là, elle est vraiment géniale. Je pense que je vais te la jouer déjà avec toutes les voix. Tu vas voir. Je pense que tu vas vraiment adorer. Allez, je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo tuto cornemuse. Ciao!